Alors, au sein des associations, alors, donc, je donne des cours pour les femmes victimes. Je suis tombée par hasard sur des maisons des femmes et je leur ai proposé des cours de boxe via la police nationale. Légalement, d'accord. Les cours que je donne ne sont pas des cours de boxe à proprement parler. Il y a toute une recherche derrière de reprise de confiance en soi, d'accompagnement aussi, pour vous aider aussi à aller de l'avant. Celles qui ont des fragilités, on fait doucement, accélère un peu. Il y a de la boxe, mais il y a aussi un accompagnement, il y a du collectif aussi pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles à travers la boxe, mais il n'y a pas d'impact entre elles. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de confrontation, parce qu'il y a vraiment une idéologie derrière ces cours-là que je veux développer, leur montrer qu'elles sont capables, leur prouver surtout. Mais non, c'est pas grave, je suis là pour toi aujourd'hui, vas-y. Un, voilà, deux, voilà. On se rend compte qu'à la fin du cours, c'est pas du tout les mêmes femmes que j'ai en face de moi. Et au début, elles arrivent prostrées, introverties, parfois en colère. Et ressortir comme ça, souriantes, contentes de ce qu'elles ont produit, contentes de ce qu'elles ont fait. En les voyant même des fois danser après le cours, mettre un peu de musique, danser. Moi, je trouve ça fabuleux. Yes! Yes! Hey, quand c'est son tour, on met tout là! Par mon expérience personnelle, je veux dire, de vie, j'étais un foyer de jeunes travailleurs, j'ai une adolescence pas facile, une vie pas facile. Je me suis beaucoup construite à travers la boxe. Il y a des sports pour les filles, il y a des sports pour les hommes. Ouais. C'est plus trop d'actualité. je suis d'accord. Je donne un peu de mon temps, mais ce que je donne en fait, je le reçois fois mille, parce que quand je les vois sortir et reprendre confiance en elles, je me dis que c'est là où j'ai gagné et puis ma récompense à moi, elle est là. Elle est de les voir repartir avec le sourire en fait.